Ce sénateur Yuri Latortue fait moun saisi avec un gros action ça qu'il pose jodi a dans émission Matin Débat, mesdames et messieurs, dans cadre enquête cap mené sous assassinat président République Jovenel Moïse et accord qui était signé entre PM Ariel avec secteur démocratique là avec divers donc acteurs dans vie politique là dans pays d'Haïti. Eh bien, nous allons inviter autant de déclarations que PM et que Yuri Latortue, ancien sénateur, fait surtout dans le cadre d'assassinat et qui gagne non PM Ariel, comme quoi c'est un homme qui a participé dans l'assassinat. Eh bien, selon le rapport de Gisèle Tibay, PM a parlé plusieurs fois avant, après et pendant même assassinat avec Badjo Félix, un véritable. Et cerveau dans l'assassinat, ça, eh bien, nous allons éviter autant de déclarations. Ancien sénateur Yuri Latortue, c'est ça qui prend le faux saisi. Tant de déclarations, ça que Yuri Latortue fait, surtout, eh bien, dans le cadre d'enquête, là, il t'a demandé, et donc, le commissaire gouvernement, tu voyais les convocations par PM pour le petit tête demain, mardi, eh bien, t'assembler, eh bien, Yuri Latortue. Et faire qu'on est pour PM nan pote tête li by la justice pour répondre question nan dossier ça. Nous allons inviter au détail n'a tout. Assassinat président Jovenel Moïse. Ou te on ba mi moun que la justice te relé. Et sont fait en tant que bon citoyen ou paraître devant la justice. Le docteur Ariel Henry rapport de CPJ page 108 confirmer que lui parle avec Badjo pendant soirée, pendant matinée, très tôt, dans périmètre après assassinat. Après assassinat, le commissaire Maître Bedford Claude invite le. Qui réaction sur ça? Très bien. Le coup, moi, m'habitue. On allait homme de loi d'abord. Ah oui. Moi, m'habitue plusieurs fois. Je traîne dans l'ULCC. Malé. Oui, malé. Je vais aller. Ou ouais, monsieur le sénateur, allez. Oui. Pas qu'on a rien dans l'assassinat Jovenel, premier moun yo relé c'est moi. Malé. Malé. Moi je crois que la théorie principale, dès que la justice relo, faut aller. Quelle que soit la position. Quelle que soit la position. Yeah. Cependant, réserve que moi gagne au niveau des procédures légales, gagne une procédure pour relé premier ministre. Premier ministre. Yeah. Yeah. Ça c'est premier. Hein? Yeah. Yeah. Normalement, relé premier ministre dépend de président de la République. Yeah. Mais comme. C'est pas président que là, c'est le conseil des ministres. Le conseil des ministres doit statuer sur cette question pour dire s'il peut aller ou pas aller. La deuxième chose, le commissaire du gouvernement lycée instance de poursuite. Il y a trois instances. L'instance de poursuite, l'instance d'instruction et l'instance de jugement. Dès que le dossier a sorti dans l'instance de poursuite, là, il y a l'instruction, il revient au juge. Donc, le juge là obligé quand même. Il revient au juge d'instruction. Maintenant, commissaire là, si je veux une information nouvelle par rapport à ça, le dévoyé, il doit faire un réquisitoire supplétif. Ok. Pour que les complétés dossier, vous voyez, le juge là. C'est dans le cadre réquisitoire supplétif là que peut-être les camandelles. Ou bien, les voyez, le juge là pour le juge l'attendel. Quel que soit le cas pour moi. Mais le juge est indiciel. Oui. Donc c'est son indiciel. Travail. Exact. Mais quel que soit le cas, moi-même, Ariel Henry, moi, pense que faut l'éclaircir ça devant la justice. Clairement. Moi, penser que s'il n'est pas éclairci, il a pris un doute sous tête tout le temps. Mais pour payer à tout. Ou est-ce qu'il m'a présenté les belles fautes de l'État? Non, il a tout. Ah, mon cher, il a tout la gueule sur l'eau. Oui, oui. Ou est-ce qu'il m'a présenté? Oui. Il va dire rien. Il va dire rien. Mais si moi-même, m'a présenté, je l'ai pas gueule. Et premier ministre, là, il y a un déficit que le gagné là. Le fait qu'on a vu deux appels après. Donc, les vignons irritants, je veux dire. Les vignons irritants. Et moi-même, moi, pensez, il faut éclaircir. Au nom de la morale politique. C'est ça. De l'éthique politique. De l'éthique politique. Moi, pensez, il faut l'éclaircir. Parce que si c'est pas ça, la pote en question. Et là, ça, moi, je dit tout bas. Moi, je suis qui est contre il dit que c'est tout à ça, c'est Jovenel Moïse. Parce que, il y a des gens là-dedans qui ont un mandat. Correct. Et ils n'ont pas présenté. Et il y a pile de monde qui est dans le domaine. Ça n'est pas vrai du tout. Ils n'ont pas assassin. Ça va le dire. Ils n'ont jamais allé dans la question. Et bah, Jovenel. Mais, ou bah, occasion à des monde pour que je dis à vous parler. Moi-même, moi, pense. Je dis à. Bon éclaircissement qui vous fait. Oui, pour que clair. Ariel Henry a revêtu de légitimité et le cas où prenne le commandement. C'est ça, me pense qu'il doit faire. Maintenant, l'éclair. Alors, ici, nous avons un débat. Compréhension justement de la situation.
Jean que sénateur là tout dit là c'est que gon international k'ap gade nous gon kokou k'ap gade nous donc il y a le blanc qui nous regarde et ouais on va réagir maintenant sur question accord donc divine d'apparaître donc accord ça son accord en plus ou encore tant que tout autre accord maintenant politiquement qui ça qui va passer dans pays là sénateur là dessus politiquement qui ça qui va passer écoute moi crois que parce que là quand même c'est des faux pas que docteur L lui-même oui moi crois que si on fait accord en plus il y a deux bagages et ça va carité sans conséquence ouais. Docteur Ariel Henry pas gain légitimité et l'a nan gros goumen. Ouais. À l'autre groupe yo. Oui, bien sûr. Parce que gain yo pensait que yo mettait au dehors. Correct. Deuxièmement, il pas gain aucun moyen de communauté internationale. OK. Parce que il a pensé son accord en plus. Correct. Yo pas rentrer non gouvernance qui pas gain accord global et inclusif. C'est clair. Et là ça ou pas dans situation, ou pas gain les moyens même pour payer employé. Même pour résoudre question sécurité. Il pas gain budget, Et on va arriver dans situation côté que, par faute de moyens, faute d'action. Ouais. Et le ça, ouais. Pays a retrouvé non train d'enfer. Ouais. Côté que, l'insécurité, le chômage, la misère. Donc, bah, la pi mal encore là. La vie pi mal. Parce que, ouais. Accord Ariel Henry a te doué l'accord. Il te doué l'accord, très bien. Parce que c'est un accord d'État. Ouais. L'autre accord, c'est des citoyens oui, qui réglent. Ouais. Mais correct. L'accord d'État est imposable à l'administration. Ouais. Et si l'accord est imposable à l'administration qui desservit des citoyens, il faut chercher adhésion. On t'a dit, sénateur Latortu, et communauté internationale t'a prononcé le favorable à l'accord. Ça ne peut pas le passer. Écoutez, moi, pensez, communauté internationale, tu joues des lignes pour faire Haïti échouer. Ouais. Parce que, la majorité moun baladan ou tout d'accord c'est on accord bout ma bite toi c'est fait et l'on prend le casser figou devant mur ou on dit ça haïtien juste moi même moi crois que il faut encourager l'accord global et inclusif hein? La question de mété et la continuer en politique pas que aucun président oui, ça ça vient n'importe qui monde pas que aucun président demain on va prendre le pouvoir tout et puis on est débarqué n'a pas mais pas oublier du coup depuis le ça son seul bail m'a prêté mes anciens commandants adjoints UGBN. Moi j'ai demandé comment ça fait arriver ouais. Parce que président il y a quatre périmètres de sécurité okay. Depuis dans premier qui c'est USP dans deuxième là qui c'est Katim dans troisième là qui c'est UGBN et côté lié président que soit la CAELI ou dans Palais ou dans province la police c'est quatrième sécurité périmètre donc comment qu'à comprendre que un monde qui toujours gagne minimum 75 monde qui protège minimum parce que entre USP Katim, UGBN, nous arrivons déjà à 60. À 60, ok. Oui, quand il y a la police qui fait périmètre dehors, il y a toujours au minimum 15 personnes qui sont là. Okay. Donc, 75 personnes en permanence pour que, d'après ça, on dit des bonnes entrées, ils jouent, pas qu'on coup de zam, pas qu'on monde qui blessé. Ouais. Ça, l'été, on préoccupation pour nous. Okay. Parce que moi, je fais 5 ans dans la sécurité résidentielle. Et moi, je connais que chaque mois, nous avons un exercice sur le SOP. Le standard operation procedure. Comment que nous garder si on attaque, comment pour réagir et pas des moyens pour que ça arrive. Parce que bam nous locaux, imagine le président non caille ou gagne 6 mois qui dehors. Très bien. A dit avant entrer dans caille là. Ou gagne UGBN qui dans périmètre là dans portail yo, qui a contrôlé sous mio, la guérite. Ou gagne 4 team qui dans la tête caille là. Très bien. Pour que si on mon a pas entré, il franchit UGBN lui-même. Il est devenu. Et depuis qu'on coupe balle, qui tire au gagnant SP qui doit courir à président, elle mettait l'autre nom dessus. A aucun moyen, non? Pas aucun moyen. A aucun moyen. Le président, moi, attendez, après les. Moun, depuis qu'il a touché, USP est devenu grand apprendre. USP est devenu grand président, mettez le nom dessus. C'est pas dans la chambre pour la faire coup de fil, mais il a fait la partie de bon cœur. La partie de bon cœur. Et si le président, côté, que. Pas d'argent, mon cœur, avant le dormi, faut garder qui côté à courir avec. Si vous avez un bagage. Parce que le président a dit que nous avons mon cœur. Mais si vous gardez Mukaela, il y a deux ou trois petits potes qui sont mieux, vous avez sauvé avec. Parce que dès que vous rentrez, il y a pile coup de zam qui tire, mais avant de oui, il y a avant de donc, le président entend des bruits amis. USP doit prendre président. Et le président est le monde. Oui, pas quitter le palais. Mettez-le dans l'UEA. Pour même si vous avez pénétré dans cette là, vous avez un président. Si le président dans le cortège, vous avez attaqué le cortège là, ok, c'est 4 teams à USP qui, et USGBN qui vous bataille. USP a pris, il a sauvé la machine, il a quitté la bataille. Donc USP a une mission de combat. Ouais. La mission de combat appartient à l'USGBN et aux 4 teams. Et à la police qui l'a. Comment faire au président brûler, à demander secours, qu'on est USPD. Ouais. Pour ne pas évacuer. Ouais. Et.
quelle est la réaction du 4 team qui en l'est? Parce que si on te dit c'est gen grenade, il était sauté calable, tu comprends? Mais pas que grenade. Donc là l'entrée, est-ce que n'exo pas réagi? Là ouais, on franchit premier périmètre là. Mon cher sénateur, tu merci parce que vous venez émission matin parce que ouais précision ça yo. L'important pour payer qu'on est. Très important comme spécialiste en sécurité pour expliquer moun justement donc ça qui comment expliquer ça balayer. Et que en aucun cas président, on président pas il doit mourir comme ça la gagne. En aucun cas. En aucun cas, faut gagne moun qui tombe. Faut gagne moun qui tombe. Donc c'est un pire bataille président. Ouais. Faut pas jouer ni dans espace là. Ouais. Président t'es qu'on a un bon gueule sauter lui. Oui. Par contre si on a regardé film là. Mais monsieur. Depuis qu'on tire un couille à président. Le bon gueule. Même s'il était avec ministre, évacuer le fouille là-dedans. Très bien. Très bien. Et il a quitté l'autre monde de bataille. Très bien. Sécurité présidentielle avant 1994, il était assuré par les casernes de Saline et la garde présidentielle. Caserne de Saline te joue le périmètre là. OK. Garde présidentielle te joue service center. Mais c'est pas sa raison que ou tu bâtiment ça au prix par l'air tout. Exactement. C'est pas sa raison. C'est pas sa raison. OK. Parce que président tellement important, c'est un bataillon. OK. Qui te défend le périmètre là. OK. Et c'est peut-être ça au effectif GBN dans c'est environ 400 moun. 400 moun. C'est presque un bataillon. OK. Maintenant les Américains ont vini. Ils ont retiré question l'armée et ont mis un autre système qui plus semblait à pas français. À pas français, oui. Côté que ils ont mis trois périmètres. Ok. Et l'Américain a été fait premier unité, a été le NPRG, okay. National Palace and Residence Guard. Ça veut dire que son corps qui pouvait protéger palais, palais seulement et résidence. C'est ça que vient USGPN nous traduit en français. Maintenant, là que ça vient arriver. Yo bay chaque unité Wolio et chaque jour de 8h à 4h. USGPN doit faire 8h 10h sport. 10h midi cours. Midi 2h manger. Chaque jour. 2h 4h entraînement. Chaque jour. Debout USGPN dehors, c'est président dehors. Si ouais. Président pas dehors, anomalie. Debout 4 teams dehors. Faut président dehors. S'il pas dehors, anomalie. USP, bon seule mission. Et président comme ça. Président doit manger là. Donc c'est là ce journal Moïse après cela. Mais c'est chef USP toujours parce que c'est lui depuis qu'on menace qui sera président et puis lui même à partir de Bunkel qui a commandé l'autre troupe. Alors sénateur dans cap à nous hein, qui est-ce qui te gagne rôle ça même c'est le commissaire Laguel. Non commissaire Laguel. C'est lui qui te gagne rôle alors c'est pas lui c'est officier du jour là officier du jour parce que l'un par là officier qui est responsable c'est officier ça qui pouvait sauver Avel et puis parler avec Laguel et à partir de lieu que il y a que simplement président à famille, à commissaire, même premier ministre, pour informer. Très bien. Ah oui. Côté président, dans le cachet, même premier ministre. Parce que pas contre côté ministre, oui, oui, oui. C'est président, sa famille et le chef de la sécurité. Très bien. Et qu'on y a, au fur et à mesure que l'unité a défendu tête, on peut avertir les autres. Est-ce que n'importe qui est capable de chef sécurité au président? Du tout. Pas. Du tout pas. Ça, qu'on chef sécurité au président? Le chef de sécurité au président, premièrement, c'est un coordonnateur qui a coordonné droit unité. Faut que capacité pour connaître pas chef USP Goyer. Faut les trois unités que ou connaît que c'est où qui responsable yo. Parce que toute action yo c'est où qui pour passer l'ordre. En chef de sécurité faut que trois formations. Faut que formation IGN. Oui, faut que soldat. Faut que formation tactique blanc. Faut que unité spéciale. Et faut que formation service secret. Qui c'est USP. USP est-ce qu'il n'y a pas besoin de continuation politique, en politique également? Ah oui, qu'on y a en politique, ça va le gagner, c'est président, c'est homme de confiance qui le choisit. Ok. Parce que président, depuis le il a changé sa sécurité. Depuis le changé. Oui, depuis le a changé. C'est fort. Parce que ça, c'est la confiance. Exactement. Ouais. Donc, son monde que président doit avoir la notion de politique, de tout ça qu'il a fait, pour qu'on connaît les menaces qui gagnent par rapport à la sécurité. Et c'est peut-être ça qui a eu l'attitude, c'est pas un commissaire qui a eu grade, non, c'est un commissaire que le président choisit. Parce que le décret de août 1996, il dit que la sécurité présidentielle est une unité de police, mais dont le fonctionnement dépend du président de la République. Très bien. Mais son acte qui est très influent dans le pays,
Ah oui, chef secrétaire. Ah oui, son nègre qui a de bons rapports privilégiés avec le chef de la police. Eh bien. Parce que, depuis qu'on menace, premier monde pour l'investir, c'est le chef de la police. Eh bien. Son monde qui a de bons rapports privilégiés avec le premier ministre. Mm-hmm. Parce que le premier ministre est un détenteur d'une partie de la souveraineté. Eh bien. Si qu'on menace, faut le dire. Faut le dire. Ouais. Ouais. Et son monde que président ville de Bandoli. Ouais. Et tout le monde qui a entré dans Baléa, si l'Igué doit bloquer, l'Igué doit bloquer. Même si le président dit l'entrée. Même si vous êtes dit, ah oui, c'est arrivé avec Bob Manuel. Oui, Bob Manuel avec Weval. Oui. Bob Manuel a rentré en Paléa. Monsieur était gagné en série de armes, fusil d'assaut. Président Weval dit l'entrée, il me dit, monsieur va rentrer. Ah oui. On sent que tu es bloqué, ah oui. Et Bob Manuel. Oui, je suis le chef de l'adjoint. Adjoint. Je ne vais pas rentrer. Monsieur était pour qui ça, monsieur va rentrer à soit team, que je ne vais pas contrôler, okay. Et qu'il y a fusil d'assaut. Ok. Dis non, on va rentrer. Parce que je ne vais pas contrôler soit faire. Eh bien. Et que, sauf le président, dit que. Lieutenant Yuri la tortue, je ne vais pas voter. Pour l'histoire et la vérité, donc vous bloquez moi maintenant. Bloquez monsieur, je ne vais pas voter. On est à l'heure, monsieur a voté, il y a le président Préval, et c'était là, je veux dire, quelque chose de grand. Mm-hmm. Président Préval dit si vous ne rentrez, il y a un problème. Président Préval, il dit président, on connaît, je ne vais pas bloquer la sécurité. Il y a une menace. Eh bien. Monsieur a voté, avec ZAM 2 points seulement, toute l'autre pour nous a pris dehors. Eh bien. Si ce n'est pas comme ça, je ne suis pas responsable, et je ne vais pas quitter monsieur rentrer là. Et puis, il dit monsieur rentrer. À machine ni seulement. Et puis tout le monde a été. Avec ouais. Tout le monde a été. Et ça, mon chef, tout. Parce que normalement, moi, je connais responsabilité. Ouais. Devinez ouais. Ça, c'est que l'aide là, va bleu. Oui, non, il y a problème. Ah oui, là, il y a problème. Mais j'ai fait mon travail. Très oui. Bien, très bien. Parce okay. Que son unité qui est formée, son unité spécialité, mm-hmm. Mais qui n'a aucune mission dans la sécurité du président, et qui n'a aucune mission pour y rentrer dans la l'air. Très bien. Donc, ils étaient restés dehors. Le président Préval remonte la sécurité, et moral n'est pas. Wow! Ok. Parce que. Moral n'est que dépend de gens qui ont traité. Quoi, de comportement. Voilà, voilà, ok, voilà. Maintenant, sénateur de la tortue, ça c'est les équipes opposition apprennent nouvelle là et puis nous entrons dans la question de sécurité, président. Exact. Maintenant, sur le plan politique, sur le plan qui politique, première décision nous dit après. Première décision nous dit après, nous dit que. Madame, monsieur, suivez mission matin de bazar très bien. Le président. Ok, ouais, nous commençons depuis la genèse là. C'est ça. Nous arrivons dans sa nouvelle, je vous dis là. Le président a été assassiné, mm-hmm. Personne n'a fait la révolution. Ce n'est pas l'opposition qui mène les présidents pour le démissionner. Il faut inclure tout le monde. Claire. Nous faisons réunion le lendemain. Okay. Et nous dit. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Okay. Nous invitons Ariel Henry. Okay. Nous invitons Joseph Lambert et ceci à Oasis. Okay. Nous dit. Et pas ça nous avons fait si ce président est démissionné. Mais comme le président a démissionné, qu'il y a des forces en présence, mm-hmm. Les journalistes, mm-hmm. PHTK, Claire. L'opposition, Claire. On va faire un consensus. Donc, vous ne pouvez pas gâter. Nous ne pouvons pas gâter. On a choisi de garder Ariel Henry comme matin débat. Puisqu'il a été nommé par le président. Ceci pour satisfaire tous les journalistes PHTK qui étaient d'accord. Et nous, avec des difficultés pour choisir le président de l'opposition, nous dit on va aller dans le Sénat. Et on choisit le président du Sénat. Qui c'est Lambert. Qui c'est Lambert. Et nous dit pour nous prendre résolution, pour nous prendre décision, il faut que qu'on acte légal. Eh bien. Nous adressé à Sénat, yo même yo dit yo ka désigner un monde même si c'est pas Lambert par une résolution. Eh bien. Et nous dit au fait et c'est là que résolution sorti dans le Sénat. Fait résolution et okay. Nous même nous appuyé résolution. Est-ce que nous signons? Nous signons. Sortim là. Oui. Nous signons protocole d'attente. Okay. Que l'exécutif est un exécutif de consensus okay. Formé avec le président du Sénat choisi par résolution eh bien. Et le premier ministre déjà nommé eh bien. Et tout ceci PHTK sien. Oh, PHTK Sien d'où? Ah oui, le protocole d'accord. Oui, PHTK Sien. Mais qui va la balle gâter la sénateur là-dessus? Li va le gâter, le que nous rivons. Côté comme il y a différents accords. Ariel Henry. Accord à gauche, accord à droite. Pour qu'on gagne un accord, non? Justement, nous. Ariel Henry. En principe, résolution, ça t'a doué. C'est ça. Finalement, la net. Oui, Ariel Henry qui était là. Ok. Qui nous choisit comme premier ministre. Il vient saler comme premier ministre. Il a retiré Claude. Ok. Et puis, il dit, il va saler Lambert. Il n'a pas de projet politique avec Lambert. C'est donc Ariel Henry qui dit pas pensé à Lambert. Il a dit qu'il n'a pas de projet politique parce que il va avoir l'exécutif bicéphale. Oh. Il va avoir pouvoir ça. Oui. Comment qu'a fait décider ça, sénateur, attention. Eh bien, ceci a été incompréhensible et c'est le ça que nous dit nous retirer soutien à Ariel Henry. Ok. Parce que il était présent. Il était présent à Oasis. Ok. Et les deux, le sénateur Lambert et Ariel étaient présents. Et il était entendu. Il était entendu okay. Qu'on aurait un exécutif bicéphale. Après son installation. Après son installation. Il veut d'eau, Banou. Il veut d'eau. Si. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission. Matin-débat. Vous êtes ici. Matin-débat. Ok. Ça, c'est très important parce que faut nous prendre la dépit en l'air pour nous regarder. Maintenant,
Donc c'est Ariel Henry qui bloquait justement l'installation de Joseph Lambert là. Nous discuter avec elle, il dit que lui-même, il n'a pas une mission ça. Okay. Nous dit et le protocole d'entente. Il est Alvin Joël, il dit que le protocole d'entente là, il n'a pas fait, mais lui-même, il n'a pas fait bicéphale. Et depuis le Sahara, nous-mêmes nous dit attention, son bagage que nous t'entendons, vous étiez présent. Mais comment qu'a fait décider de parler même pour le dire que pas canon. Comment nous même tout, comment les reste monde qui était signé protocole de tête ça, comment nous comme si nous juste assister sa fête, le détourner le délit et puis et moi le jour, c'est pas même assister. L'on arrivé pour que nous passer à l'exécution maintenant de l'installation du président, les îles pas rentrer là-dedans. Et ceci a amené cette rupture. Parce qu'il y a la note, son gros songer aujourd'hui, que nous dit, nous retirer soutien. Avec Ariel Henry. Okay. Maintenant, quelles sont donc ses intentions cachées? Maintenant, est-ce que c'est pas le jeu du blanc qu'il est en train de faire? Est-ce que nous rencontrons Daniel Foot? Est-ce que Daniel Foot lui-même, comme envoyé spécial, il était pratiquement dans la même route avec Daniel Henry? Comment Blanc lui-même nous comprend la question ça? Écoute, moi pensais que justement. Qu'on coupe les Américains. Moi pensais justement que Blanc Gonjean l'a manipulé. Et. Nous-mêmes haïtiens, nous portons tête nous dans la question. Ok. Nous pas qu'à gagner un projet d'exécutif bicéphale, que la Constitution dit c'est ça, que un accord, même si tout le monde va rentrer là-dedans, mais un accord global quand même qui est fait, et on vient à réfléchir ça blanc passé. Ouais. Parce que dans blanc, il y a deux tendances. Au départ, après la mort, il y a l'ambassadeur qui était là. Bébé. Et l'ambassadeur, lui-même, il était toujours au exécutif monocéphale. Monocéphale. Et me passer influence li, li agit en pile sur Ariel. Sur Ariel. Et là que Américain vient désigner envoyé spécial, moi j'ai vu un autre discours. Ok. Côté envoyé spécial, ça lui-même, il lui dit que dès qu'il y a une entente haïtienne, il entre là-dedans. Donc moi je pense qu'on influence, peut-être au départ qui était bon, mais écoutez, le premier ministre Ariel, le premier ministre président puis bon pour lui, qui a allé avec elle, oui, le Québec, et mon deuxième approche, et c'est en fonction de deuxième approche ça,